Donc, nous allons voir comment être un étudiant formateur. Alors, ce message s'adresse vraiment aux étudiants qui ont par exemple entre 20 et 30 ans et qui souhaitent aussi gagner un peu d'argent avec leurs études. Donc moi, ce que je vous conseille de faire vraiment, pendant que vous êtes en train de vous former, pendant que vous êtes en train d'étudier, c'est de transmettre une partie de vos connaissances à d'autres étudiants ou à des personnes qui sont plus jeunes que vous. Ou alors, bien sûr, si vous avez déjà des thèmes et des formations que vous désirez faire, à carrément vendre des formations, on va dire, sur Internet. Donc pourquoi je vous recommande ça? Parce que il y a quelque chose qui est vrai, mais à 1000%, et que j'ai remarqué tout au long de ma vie, c'est que la meilleure manière d'apprendre quelque chose, c'est de l'enseigner. D'accord? Il y a plusieurs niveaux pour apprendre, on va dire, une leçon ou quelque chose, mais une manière qui est très bien, c'est vraiment d'enseigner. Donc pourquoi pas justement donner des formations aux étudiants qui seraient plus jeunes que vous avec des programmes que vous avez déjà faits pour les aider. Bien sûr, comme ça vous permet de gagner un peu d'argent, parce que vous pouvez le faire bien sûr contre rémunération. Ou alors, pendant vos études, ce que vous pouvez faire, donc qui est le cran au-dessus, et ce que je vous recommande aussi, c'est de simplement créer et de vendre votre formation en ligne. Parce que moi, si j'avais su justement que c'était possible de faire ça, même si à l'époque c'était, on va dire, un peu plus difficile parce qu'il n'y avait pas tous ces outils qui sont tellement faciles à utiliser de nos jours pour créer et vendre une formation en ligne, et ben je peux vous garantir que j'aurais fait ça. Pourquoi? Parce que ça vous permet de continuer vos études, ça vous permet de gagner de l'argent en tant qu'étudiant et ça vous permet simplement aussi de pouvoir parfaire votre apprentissage. Donc surtout, n'hésitez pas à créer votre formation en ligne quand vous êtes étudiant. Moi, c'est un de mes plus grands regrets. Si j'avais eu tous ces systèmes-là et ces connaissances, c'est sûr que j'aurais fait ça. Donc là, c'est vraiment quelque chose pour vous réveiller et pour vous encourager à créer et à vendre votre formation en ligne. Et du coup, si vous avez envie de faire ça, d'aller plus loin, j'ai fait un livre qui est 100% gratuit, Devenir formateur. Vous pouvez télécharger en bas dans la description. Et aussi une masterclass complète qui est 100% gratuite sur la création et la vente de formations en ligne. Et vous pouvez vous inscrire en bas, pareil, dans la description.